Les amis vous diront les secrets de la vie. Si tout cancan est astucieux, Belle Belle est la plus jolie. C'est Pousse Moussu le plus sérieux et Fabrice le plus gentil. Les quatre amis vous invitent à jouer aujourd'hui. Il suffit de vouloir devenir un ami. Quelle gaieté il règne ici! Quel entrain! Je suis content d'être venu! C'est vrai? Je suis un peu patraque! Ah bon? Oui! J'ai une aile. C'est une aile qui est froissée. Allons bon. Dis-moi, je t'ai préparé un très beau jeu aujourd'hui. Oui. Hein, je vais t'en parler. Oui. Mais avant, pour me faire plaisir, je voudrais que tu me fasses une grimace. Oh non! Si, ça me fait rire. Fais-moi le dromadaire. Je veux pas te faire le dromadaire. Allez, si, allez, perdons pas de temps. Tu fasses le dromadaire? Oui, fais le dromadaire. Voilà. Alors, regarde. C'est ça le dromadaire, hein? Ça! Tu aimes bien le dromadaire? À chaque fois, ah, tu oui, me oui. fais rire. Oui, oui, j'aime t'es bien. T'es mieux que quand tu es en. Je suis mieux qu'au naturel. Oui, ah, bon. Oui tu es mieux qu'au naturel. Bon, alors le jeu. Bon, tu vois, c'est sur ta table. Oui. Regarde bien. Ça, oui, il y a des boutons, hein? Il y a tout, il y a des boutons. Il y a des boutons, oui, tu as un bouton. Ouais, des boutons. Alors, il te faut un grand morceau de fil. Et un bouton qui a quatre trous de préférence ou deux trous, tu vois. Oui. Alors, tu enfiles le fil dans ces petits trous, hein? Oui. Pour que les fils soient bien. En face les uns des autres, tu vois. Bon. Que ça fasse une ligne droite. Alors, c'est ce que tu m'as préparé. Voilà. Hein. Alors. Tu m'as fait une boucle de fil. Oui. Avec, au milieu, un simple bouton. Voilà. Oui. Alors, tu fais un petit nœud, hein, pour fermer le cercle. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors, maintenant, tu fais intelligemment tourner ton fil avec ton bouton, là, tu oui. vois, pour le serrer bien fort, comme un. Tu vois ah voilà, oui. comme ça. Ça va pas être commode, ça. Mais ce que tu comprends vite. Bah oui, mais écoute, c'est extrêmement difficile, il faut être un athlète pour faire ça. Mais non, tu es un dromadaire. Ah, oui, pour je suis moi. Peut-être un dromadaire. Voilà. Oui. Alors non, maintenant. Attends. Encore un petit peu. Tu es un perfectionniste. Ah oh, bah oui. Oh là, tiens, j'ai pris le bouton dans le menton. Ça fait un mal. Voilà. Là, ça suffit, là, pour la démonstration, oui. T'es sûr ? Alors, tu tires bien fort, et alors oui. tu vas voir, le bouton va faire bzz, bzz, il va siffler, il va siffloter. Ah bon ? Et puis, alors, il va tourner sans cesse sur lui-même. Bon, alors, attention. C'est sans fin. Chut. Regarde. Oui, ça ne marche pas du tout. C'est loupé. Alors, je recommence. Parce que c'est extrêmement délicat. Oh, ça me fait un mal, ça. Je suis content parce que pour toi, c'est pas facile. Tu peux pas prendre des choses plus simples. Là, essaye maintenant. Non, ça va pas marcher. Attends, faut que je le tourne encore un petit peu plus. Voilà, ah, oui. Tiens, t'as entendu? Chut. Voilà, ah, voilà. Oui. Bah, c'est ça le principe. Je suis épuisé, dis donc. C'est très amusant. Ah oui. Et là, il faut recommencer après. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, parce que les petits-enfants qui nous regardent, ils sont beaucoup plus adroits que toi. Ils sauront le faire tout de suite. C'est très bien. Mais là, bon jeu. Souvent, parce que je n'en peux plus. Bon, bah, va te reposer dans le jardin. Ah oui, parce que tu sais vraiment, ne me refais jamais faire une chose pareille. C'est épuisant. Pendant ce temps-là, je vais retrouver Belle Belle et Pousse Moussu. Bon, mes petits amis, vous êtes là ? Oui, bon. Alors, le point commun, bon, comme d'habitude, hein, oui, vous savez de d'accord. quoi il s'agit. Oui. Vous connaissez votre rôle. Oui, bien sûr, parce que tu l'as. On l'appelle le maladroit. Oui. Oui, allez. Fabrice. C'est à moi. Allez, viens. Attention à la marche. Je ne m'en suis pas encore remis, si tu savais. Ça m'a fatigué, cette affaire-là. Assieds-toi. Oh. Là. Alors, le point commun. Oh, elle est drôle, ta grimace, là. Ah bon, non. Bon, alors, écoute. Oui. Le point commun, hein. Oui. Alors, tu sais ce que je suis aujourd'hui? Eh bien, non. Alors, je rappelle à nos amis ce qu'est le point commun. Il faut que nous découvrions tous ensemble le point commun qui unit Toucancan, Belle Belle et Pousse Moussu, qui vont chacun représenter soit un objet, soit un animal, soit une chose, etc., etc. C'est à nous de trouver ce qui les lie. Maintenant, on vous écoute. C'est comme si on ne le savait pas. Ah, ben, il faut le rappeler de temps en temps. Bon. Toucancan. Alors, aujourd'hui, je suis un jeu. Un jeu populaire, le plus populaire peut-être, je suis le football. Ah, ça te fait plaisir. Oh, j'adore ça. Tu aimes ça, hein? Oh là là. Oui, je savais. Donc, je suis le football avec tout ce que ça comporte. Alors, il y a, tu sais, le terrain, des joueurs. Il y en a 11, hein, je crois, de chaque 11 côté. 11 dans chaque équipe, 11. Oui. Tu vois, je m'y connais, hein. Absolument. Alors, ils sont là avec leurs maillots, leurs chaussures. Mmh. Et puis, alors, il y a un sifflet. Et puis, alors, au bout du sifflet, en général, il y a un arbitre. Hein, tu vois, oui. Je m'y connais, hein. Oui. Bon, voilà. Alors, à moi. Oui, Belle Belle. Je suis un paysage. Oui. Mais un paysage que l'on ne trouve pas n'importe où. D'abord, il me faut une région montagneuse. Oh, pas de ces montagnes qui possèdent de très hauts sommets presque inaccessibles et toujours couverts de neige, non. Je ne suis pas l'Himalaya. Je ne suis même pas le Mont Blanc.
Je préfère le vallonnement des Vosges, c'est moins impressionnant. Mais cela ne manque pas d'attrait, aussi bien en été qu'en hiver. Alors, Fabrice, tu as deviné? Ben, pour l'instant, je nage un peu. Ah, tu nages plutôt en montagne, là, c'est difficile. Là, je nage. Et toi, Poussou? Moi, je vais essayer de t'aider un peu. Hein. Alors, moi, je suis un gendarme. Ah oui, mais attention, pas un gendarme qui s'occupe tellement des cambrioleurs. Non. Oui. Mais plutôt des automobilistes, hein, de ceux qui ne respectent pas la ligne, tu sais, la ligne jaune, oui. Les panneaux, les priorités. Oui. Et surtout de ceux qui oublient que quand on conduit, on ne doit pas faire des déjeuners arrosés, bien arrosés, tu comprends? Oui. Hmm? Alors, il faut choisir. Sinon, moi, je siffle, j'arrête et, ce qui est le plus important, je contrôle. Tu vois? Oui. Je commence à voir. Alors, Toucancan, football. Belle-Belle, tu m'as dit que tu étais un vallonnement. Un vallonnement, enfin, oui. Une espèce de montagne très chic. Une espèce de montagne, oui. Façon Jura, peut-être. Oui, oui. Ou Vosges. Oui, oui, enfin, oui. D'accord. Et toi, tu es un gendarme qui contrôle la circulation, qui empêche... Attendez, il me vient une idée, je ne sais pas si vous-même vous avez trouvé, mais on pourrait peut-être parler de ballons à chaque fois. Ballons pour le football, oui. Les fameux ballons des montagnes, je crois qu'il y a des ballons en Alsace, le ballon de Guebwiller, etc. Et puis le ballon dans lequel on souffle. Pour les problèmes d'alcotest. Voilà. C'est ça? Oui. Eh bien, alors, je suis fort. Hein. Très bien. Alors, il l'a trouvé. Ah, toujours. Trouvé. Toujours égal à toi-même, Fabrice. Ah, hein. Je suis fort, là. Bon, attends, j'ai quelque chose à dire à Belle-Belle. Tu permets, Fabrice? Oh, ben, je t'en prie. Belle-Belle, tu vas là-bas. Oui, tu prépares. Bien sûr. Tu prépares. Alors, tu joues avec moi, maintenant? Oui, certainement. Bon, alors, Tu devines, bien entendu, où j'ai mis le stylo dont j'ai besoin. Ah bah, dans ta poche, non? Non, pas du tout. Non. Ah bon, c'est à l'avance. On l'a oublié sur mon établi. Ah bah oui. Moi, je vais le chercher. Eh bah, va le chercher. Tâche de réfléchir à l'orthographe en attendant. Oh, mais ça, alors... Tu sais, ça va pas du tout. Ah, le voilà. Bon, alors, attention. Cette fois, c'est un mot en 13 lettres. C'est très long, hein. C'est difficile, ça. On commence par... On commence par un C. Le voilà. Hmm. En 13 lettres. Alors, je fais 11 petits traits. Eh bah, voilà. Un, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et la dernière lettre, c'est un S. Un S? Un S, oui. Tu m'inquiètes. Hein? Bon. Alors. Oui? Est-ce que c'est une fleur? Non, c'est pas une fleur. Est-ce que c'est un animal? Ah, bah oui. Ah, bah, tu trouves vite alors. Ah, bah, est-ce que c'est un animal à quatre pattes? Non. Est-ce que c'est un animal qui vole? Oui. C'est un oiseau? Non, c'est pas tout à fait un oiseau. Est-ce que c'est un insecte? Non, c'est pas un insecte. C'est pas un insecte. Et ça vole? C'est un oiseau bizarre. Il est bizarre. Il vole des fois la tête en bas, des fois il s'accroche un peu partout, dans les cavernes. Enfin, tu sais, c'est un mot composé, d'ailleurs. C'est un mot composé? En deux mots. C'est en deux mots. En deux mots? Oui, ça vit dans les cavernes. Je t'aide pourtant, alors. Ah, Tu veux une lettre? Tu veux la troisième lettre, par exemple? Oui. Ben, c'est un A, la un troisième A. lettre. Oui. Ah, alors, un, deux, trois, trouver. A. Un A, voilà. Un A. Ça vit dans les cavernes. Alors, tu permets? Oui, un, vas-y. Et tu m'as dit combien de lettres? Ben, 13. 13 lettres? Oui. Ben, écoute, moi, j'avais une idée, là. Je voyais bien, en deux mots, dans les cavernes, j'aurais vu... Chauve-souris. Ben c'est ça, chauve-souris. Oui, alors j'aimerais que tu m'expliques comment tu écris chauve-souris, parce que moi je trouve 12 lettres. Ah bon? Eh ben oui, alors chauve-souris, tu l'écris comment? Eh ben, C-H-A-U-2-F-E, et plus loin, souris. Chauffe-souris? Oui, chauffe-souris. Oui. Tu trouves ça raisonnable? Ben, je sais pas si c'est raisonnable, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Oh, je ne préfère même plus te parler, n'est-ce pas? Parce que là, on sombre dans le parce grotesque. Parce que, alors, c'est chauve. Bon, enfin... Ah, ben et pourtant, elles sont pas chauves, ces petites bêtes-là. C-H-A-U. V-E. Oui. Plus loin. Comme une souris. Ah, S-O-U. Bon. N-I-S.
Voilà, petit incapable. Alors, c'est chaud, c'est ce que j'ai fait, là. Bon, ça, c'est un malheur. Bon, attends une petite seconde. Je le tiens comme chauve qui peut. C'est amusant. C'est amusant. Mais dis-moi, Fabrice, hein, dis-moi, tu sais comment elles font, les chauves-souris, pour voler dans l'obscurité sans jamais se cogner dans les murs? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que tu es. Sans jamais renverser les objets. Tu m'écoutes une seconde? Bah oui, moi, je viens t'écouter. Moi, je voudrais aussi te dire ma petite histoire. Ce que je sais, c'est que tu es incapable de l'écrire. Voilà ce que je sais. Oh. Et ça, ce n'est pas bien. D'accord. Ça, c'est très très mal. Mais tu sais pas pourquoi elles ne se cognent pas contre les murs, hein? Est-ce qu'elles ont des radars? Simplement. Bravo, elles ont des radars. Hein? C'est ce qui leur permet d'entendre les sons, comme ça, en écho. Ça revient contre l'obstacle, et c'est comme ça qu'elles peuvent l'éviter. Eh oui, absolument. Dis donc, Fabrice, si t'as un radar, toi, il pourrait peut-être te conduire vers Belle-Belle. Maintenant? Ben oui. La musique, tu verras, écoute-moi. Ré, fa, la, fa, mi, la, sol, do, ré, mi, sol, la, sol, sol, la, do. Ré, fa, la, fa, mi, fa, sol, do, ré, mi, sol, la, sol, sol, la, do, ré. Bon, alors mon cher Fabrice, c'est notre jeu musical. Tu sais en quoi il consiste? Je vais le rappeler brièvement à nos amis. Je crois que je dois compléter des phrases ou des mots que tu vas me proposer. C'est ça. Avec les notes de la gamme. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré. Alors, nous allons les regarder encore une fois. Sol, si tu veux bien. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et do. Et alors, les cinq lignes qui sont là, ça s'appelle une portée musicale. C'est exact. Et il y a à ta disposition toute une série de petits points noirs. Montre-les. Voilà, je suis en train de que tu accrocheras à ta guise pour compléter ma phrase. D'accord. Tu as compris? Oui. Allez. Alors, le petit jeu commence. Du coup, je ne veux pas être méchante. Je vais même te faire un... Un cadeau. Bravo. Et puisqu'il est question de cadeau, je te signale que si jamais tu as l'intention de m'en faire, je suis très gourmande. J'adore les chocolats fous. Les chocolats fous. Comment les chocolats fous? Les chocolats fous. Enfin, non, pas fous. Oui, d'accord. Bon. Il manque un son. Les chocolats fous. Ré. C'est ça. J'aime aussi. Tu sais, je n'aime pas que les choses sucrées. J'aime aussi les petits repas que je me prépare moi-même à la maison. Je suis très douée. Entre nous, je n'aime pas tellement aller au restaurant. J'ai horreur qu'un garçon vienne me demander qu'est-ce que vous dites. Tu as compris? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Attends. Qu'est-ce que vous dites? Je mets les deux notes. Oui. Et je te dis. Qu'est-ce que tu me dis? Si, ré. Ah, bravo. Et tu sais, j'adore manger du poisson. Alors, quand je suis au restaurant, je demande au garçon, est-ce que vous avez de... Dépêche-toi, Fabrice. Oui. Alors là, nous avons de la et de la sol. La sol. Et si vous n'avez pas de la sol, je voudrais que vous me donniez de... Encore autre chose? Oui, dépêche-toi. Je laisse le la. Oui. De la ré. Voilà, je vais mettre le ré en bas. Voilà, de la ré. D'accord. Et puis alors, tu sais ce qu'on peut demander aussi comme entrée? C'est quelques rondelles de ça. Oh, bon, alors attends. De ça. Oh, c'est facile, ça, tiens. Oui. De ça, la. Mi. Et puis si tu aimes les légumes, tu peux aussi demander des choux phares. Oh, facile, ça. Farci. Oh, bravo, hein? Je crois que ça va faire un très beau repas. Oh, je n'en peux plus. La prochaine fois, il me semble que je changerai un peu. Je prendrai un tourne avec du père. Tu vois ce que je veux te dire? Attends, un tourne do. Oui. Avec? Du père. Avec du père. Si, un tourne Avec voilà. Du père, si nous sommes faits pour nous entendre, mon cher Fabrice, je suis contente que formidable, nous jouions ensemble. Hein? Formidable. C'est très fort. Hein? Oh oui, ça, j'aime bien ça, j'adore la musique, moi, tu sais. Oui, tu connais bien les notes, bravo. Et bien alors, on chante encore? Oh, pour terminer? Oui, ensemble. La chanson des quatre amis? Oui, les quatre amis. Musique, s'il vous plaît. Les quatre amis sont déjà vos copains, vos amis. Les quatre amis vous diront les secrets de la vie. Moi je raconte des histoires et je chante des chansons. Mais comme je n'ai pas de mémoire, il faudra faire attention. Les quatre amis sont contents quand ils sont réunis.
Les quatre amis sont heureux car ils aiment la vie. Et ben moi, Zémi, je crois que c'était joli, hein. T'as pas trouvé, tout Cancan, que c'était joli? Quand on chante les quatre amis. Pousse-moussu. Ah, mais ne chatouille pas, pousse-moussu. Fabrice. Tout Cancan, que je touille, pousse-moussu.